c'est mignon. Au revoir, madame. Au revoir, mon ange. On va voir les autres résidents. Tu vas les promener. On revient tout à l'heure ici. On va monter d'abord au troisième. Après au deuxième. Au troisième, on va faire l'effet. Ah bon? Ah oui. Il y a du monde, ils vont être heureux. Voilà. Et monsieur Têtu? Monsieur Têtu, vous êtes là? Monsieur Têtu, c'est la crèche. Il y a les enfants qui veulent vous dire bonjour. Tatat. Monsieur Têtu. Oui. Monsieur Têtu. Monsieur Têtu. Bon, je pense qu'il n'est pas là, monsieur Têtu. Il, tu sais, parfois il se promène. Maintenant, c'est l'heure où les enfants partent manger au restaurant avec les résidents. C'est un toréador. Tu crois qu'il y a un toréador? Tu sais, ça a du courage, les toréadors. J'en ai 21 arrière-petits-enfants. Ça ne me gêne pas, moi. D'abord, il y a une chose, je suis un sourde à peu près. Donc le bruit ne me gêne pas. Et moi, ce que je les trouve, c'est leur façon d'être. Ils sont naturels, ils sont mignons, ils adorent. Ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est tout. J'aime beaucoup les enfants et les petits-enfants. Et quand, chez moi, ou enfin chez ma fille, quand ils m'entourent comme ça, je suis heureuse, sans me poser de questions, je suis heureuse. Voilà. Puis alors, ce qui est très amusant, c'est leur réflexion. Ingénue, charmante, et ça fait rien. Je leur parle quand ils passent et ils sont aimables. Et alors les personnes qui s'occupent d'elles, d'eux, sont très gentilles. Elles ont beaucoup de tact et elles les mènent gentiment à ce qu'ils doivent faire, très gentiment. Elles les amènent à manger correctement, mais sans les bousculer, sans rien du tout. Vous voyez, c'est pas loin, alors je regarde tout ça, moi. Ils mangent, nom, c'est avec un, ils mangent avec un grand sourire. Voilà. Vous trouvez que c'est bien qu'ils soient dans la même maison que vous? Oh oui. Je pense que s'ils étaient dans les couloirs toute la journée, ça n'irait pas parce que les personnes âgées ont besoin d'un minimum de silence. Mais de les avoir à un repas, au contraire, c'est très très bien. Vous êtes là depuis longtemps, vous? 2 ans. Vous vous plaisez ici? Beaucoup. Avec mon ami, on fait des tas de choses. On fait des jeux. Il y a beaucoup de jeux ici. Puis mon ami qui a des doigts de fée fait des choses merveilleuses, des fleurs. Moi, je suis pas si à droite. C'est pas moi qui le dis. Non, je vais aux petites mains pour faire ou tricoter. Puis je vais au dessin. Mais moi, je me trouve très heureuse ici. Vous avez quel âge? 98 ans. Pourvu que ça dure. Il y a quelqu'un qui a dit ça, la mère de Napoléon. Pourvu que ça dure. Non, mais ma jeunesse est tellement vieux. Peux-tu même dire quelque chose de ma jeunesse? C'est que on m'aurait pas mis dans une cantine à cet âge-là. On était en famille. Et alors, quand j'ai commencé à aller en classe à 6 ans, je rentrais pour déjeuner à midi. Je ne déjeunais pas à la cantine. Vous êtes originaire d'ici, de Saint-Maur? Oh, pas du tout. Je suis parisienne. Du 16e arrondissement. Je le dis tout doucement parce que les gens du 16e, ils ont mauvaise réputation. Moi, je me rappelle... On était dans une réunion, je ne sais plus laquelle. On disait les gens qui habitaient Paris, où ils habitaient Paris, 16e arrondissement. Tout le monde a fait « Mouh !» Parce que le 16e arrondissement a la
réputation d'être prétentieuse, qui n'est pas vrai. Moi, j'étais du 19e. J'étais beaucoup moins réputée. Vous n'êtes pas rencontrée à Paris, vous ? Oui, on s'est rencontrés il y a 2 mois. Je ne connaissais pas madame avant de venir ici. Et on aurait pu ne pas sympathiser. Et on a sympathisé. Mais alors vous, vous venez du 16e, vous n'êtes pas prétentieuse ? J'en ai de la veine. C'est parce que je pense que mon arrière-grand-mère habitait déjà le 16e. Alors on n'a pas pris les nouvelles façons du 16e. Le 16e actuel, il est pas riche. Ce sont il y a beaucoup de nouveaux riches. Vous n'êtes pas riche alors ? Oh, pas plus qu'il faut, malheureusement. J'ai ce qu'il faut pour être ici, c'est l'essentiel. France Culture.